j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour enfin, j'ai peur, pour enfin faire ma coloration. Bon, en fait, c'est pas vraiment une coloration, c'est un gloss en fait. Ça vient juste éclaircir la racine parce que ben, j'attends de rentrer en France pour faire mes cheveux. Donc là, je rentre du sport. Je garde mon sweat hein, parce que en fait comme je sue pas mal, j'ai froid là quand je rentre. Et donc voilà pourquoi mes cheveux sont dans un état pitoyable, hein, on va pas se mentir. Je vais les attacher avant de vous faire peur. Hop. Voilà. Donc mes cheveux sont sales, ils sont gras et là ils sont un peu. Ouais, ils sont un peu humides hein, parce que j'ai sué pas mal ce matin. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc comme j'attends le mois de décembre pour aller chez ma coiffeuse en France, hein, parce qu'ici j'ai pas vraiment trouvé de coiffeuse qui me convenait. Donc clairement, voilà, j'attends d'aller en France parce que je suis tombée sur la personne qui me correspond à 100%, qui comprend ce que je veux. Donc voilà, je pense qu'on est tous pareils. Une fois qu'on a trouvé quelqu'un qui comprend vos exigences, bah, vous n'avez pas envie de changer. Mais moi, ça fait un peu loin pour aller régulièrement entretenir mon blond, hein, puisque j'ai toujours été blonde. J'ai toujours fait des mèches, des balayages, etc. Mais bon, là... Là, j'essaye de faire repousser la racine parce que, j'ai eu des catastrophes capillaires ici sur Montréal. Hein. Donc, j'ai fait des balayages et puis je me suis retrouvée avec la barre comme ça. Donc là, j'essaye de laisser pousser. C'est pour ça qu'ils sont assez foncés. C'est pas trop mon truc. Hein. Moi, j'ai toujours eu les cheveux très clairs. Donc, voilà, c'est dur de s'habituer. Mes proches ont du mal aussi à s'habituer à ce que je sois aussi foncée. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, ma coiffeuse en France au mois de juin, elle m'a dit, bah, écoute, si tu veux tenir le plus longtemps possible, je vais te donner, je pense que c'est un gloss, je me souviens plus bien comment ça s'appelle, un Sunlight. Ouais, ça s'appelle Sunlight 18. Donc, vous voyez, c'est deux petits produits comme ça, Color Touch. Oui, c'est ça, Sunlight. Et donc, elle m'a dit, bah, tu fais ça entre deux, tous les trois mois, ce serait bien. Donc il y a trois mois de ça, ma maman me l'avait appliqué. Sincèrement, j'ai pas vu énormément de différence. Donc je ne sais pas si c'est parce que je ne l'ai pas laissé poser assez longtemps ou... Enfin bref, je ne sais pas. Donc toujours est-il que là, j'ai renvoyé un petit message à ma coiffeuse en lui demandant si, comme mes racines étaient vraiment très foncées là pour le coup, si je pouvais faire un gloss avant de rentrer. Elle m'a dit oui, surtout fais-le, laisse-le poser un peu plus longtemps, descends bien sur tes blonds, t'inquiète pas, ça ira. Donc voilà, je m'exécute. Je vous avoue, j'ai peur. C'est vraiment quelque chose que je déteste, faire ce genre de choses chez moi. C'est pas mon truc. Moi, chacun son métier. Mais bon... J'ai pas le choix, j'ai envie de le faire. Bon, là, je trouve que c'est quand même très foncé. Il faut encore que je tienne 4 semaines. Donc, je me suis dit, tiens, allez, on va se laisser porter par le vent. Et on y va. Courage. Donc, on se retrouve dans ma salle de bain. Je ne vous ai pas encore vu cette semaine. Donc, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, je vous mettrai les images. Hier j'ai fait le sapin. Ce matin on va faire les cheveux et ensuite je vous ferai un unboxing parce que j'ai quelques bricoles que j'ai reçues de chez Sephora que j'ai très envie d'utiliser, mais je voulais vous montrer absolument avant, donc on va le déballer très vite. Et quelques petites bricoles que j'ai ramenées de mon supermarché Métro. Je vous ai emmené une journée avec moi dans ce supermarché. C'est le supermarché Métro à côté de la maison qui est en travaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si vous ne vous souvenez pas, je vous mettrai en barre d'infos le vlog en question. Et ils ont fait une parapharmacie de dingos avec plein de produits naturels. Mais je suis devenue hystérique. J'ai passé... trois quarts d'heure dans ce rayon. Il y a toutes les marques. En tout cas, je suis devenue dingue. J'étais très contente. Donc j'ai acheté quelques petites bricoles et j'avais envie de vous en parler.
Donc, on fera un unboxing pour Sephora et pour mon retour de supermarché métro. Alors, c'est pas un retour de course, mais ce sera un retour beauté. Je me suis acheté une brosse. J'ai regardé la vidéo de Valérie. Valérie Enjoy Beauty, si je me trompe pas. Allez-y, c'est une nana très très sympa. Elle est adorable. Elle parlait de cette brosse. Bon, ça m'a donné envie. Il faut que j'arrête de regarder les vidéos des autres. Parce que c'est une catastrophe. Enfin bref, j'avais très envie de la tester. Moi j'ai la Tangle Teaser en format voyage comme ça. Mais sincèrement, je la fais toujours tomber. Je me brosse les cheveux, je dois être tellement délicate que elle fait whiz. Donc ça m'énervait. J'avais très envie de la tester avec le manche. Et je suis tombée sur celle-ci chez Jean Coutu. Tangle Free. Alors je sais pas si ça a rapport avec Tangle Teaser, mais bon, ça s'appelle comme ça. Ça m'a pas coûté très très cher, donc je me suis dit bon, allez, prends-la. Ensuite, j'ai trouvé mon pot et mon pinceau. Donc on est parti. On va aller faire ce petit mélange. Je vous avouerai que je ne suis pas rassurée. Alors, Clémence du bar des coloristes. Si vous êtes sur Paris, si vous êtes sur Lille, il y en a plusieurs maintenant. Il y en a un sur Dunkerque, il me semble. Je ne sais plus. Enfin, il y a plusieurs bars des coloristes. Mais allez-y, les yeux fermés. C'est des spécialistes de la couleur. Et sincèrement, on voit vraiment la différence qu'un salon classique où ils font coupe et couleur. Quoi. Ils font très rarement des coupes parce que c'est des spécialistes de la couleur. Et en général, vous êtes rarement déçus. Ils tapent toujours dans le mille. Ils prennent soin du cheveu. Mais moi, avec Clémence, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui prenait autant soin de mes cheveux. Parce que moi, ils sont fins, durs à démêler. Donc, en général, les coiffeuses, ça les énerve. C'est des vrais bourrins quand elles les démêlent. Ça me rend toujours malade. Mais alors, elle prend un... Elle est délicate. Elle vous démêle les cheveux comme ça, tout doucement. Elle vous met de l'huile. Elle vous met tous les soins qu'il faut. Et elle redémêle tout doucement pour qu'il soit complètement doux, complètement démêlé. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi délicat. Je pense qu'ils sont tous à peu près comme ça au bar des coloristes. Parce que c'est vraiment le leitmotiv du salon. Donc, elle m'avait fait la dernière fois, là, au mois de juin, le petit calepin comme ça. Donc ça se présente comme ça. Donc il y a le nom du produit et puis il y a les différentes étapes. Donc on va suivre les étapes. Quand ma maman me l'avait fait, j'avais pas vraiment regardé ce qu'elle avait fait parce que voilà, on a toujours joué à la coiffeuse quand on était jeune. Et voilà, c'était toujours maman qui s'occupait de ça. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment fait attention et je vous avoue que bon, on va essayer. Alors, vous y voyez quelque chose? Bon, si on ne voit plus, c'est pas grave. Alors, j'ai pris un pen, je ne sais pas si j'en aurais besoin. Il y a le petit pinceau qui était fourni avec mon pot, là. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils doivent me rester... C'était ça, et je devais faire deux utilisations. Donc, vous voyez, il m'en reste une. Donc, maman, elle a dû utiliser la moitié. C'est parfait. Le Sunlight, produit de coloration, Sunlight 18. Donc, 30 ml de Sunlight 18. Bah, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. C'était un 60 ml, il reste la moitié, donc parfait. Ok. Et 60 ml de 4%. Émulsion intensive, Color Touch. Je sais pas ce que c'est. Hein. Alors ne me demandez pas d'explication ou commentaire, je n'y connais absolument rien. Je ne sais pas ce que c'est que ce produit, je ne sais pas ce que c'est que ça. Si c'est un oxydant, machin, truc, j'en sais rien. Donc voilà, moi elle m'a donné le petit feuillet, elle m'a donné les produits. Et puis je suis bêtement... c'est joli en tout cas. Ça ne sent pas du tout les produits chimiques ou quoi que ce soit. Ça sent même très très bon. Oh, c'est beau, j'adore faire ça. J'ai toujours rêvé d'être coiffeuse. C'était un de mes rêves quand j'étais petite fille. J'aurais vraiment voulu avoir un salon à moi. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. Je crois que mes parents, ils n'étaient pas prêts à avoir une fille coiffeuse. Ce qui est totalement stupide hein, à la base. Parce que maintenant, ça ne choque plus personne. Mais à l'époque, il fallait faire des grandes études. Et quand on partait en esthétique ou en coiffure, malheureusement, c'était mal vu.
Bon, je crois que c'est mélangé. Alors, maintenant, alors, temps de pause 20 minutes. Donc, elle m'a dit de rallonger. J'en mettrai peut-être 30 ou 40. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, j'ai peur. Application sur racine. Temps 20 minutes. Donc, j'ai regardé sur Internet. Il parle de commencer par l'arrière. Donc, je vais commencer par l'arrière, même si... moi, ils sont en chignon, donc je m'en fous un peu. Je sais pas comment m'y prendre. Non, mes cheveux sont vraiment sales. Oh, j'ai honte. Bon, je suis désolée. J'ai quand même enlevé mon gilet. Parce qu'avec la capuche, ça va pas être super pratique. Et puis, bah, on va commencer. Je sais pas comment faire, en fait. Donc, voilà, je vais en mettre ici, là, comme ça. Là, peut-être ici. Ouais, ici. Et... on verra. Écoutez, c'est parti! En plus, on voit rien derrière, quoi. C'est la grosse galère. Comment on fait pour faire derrière? Bon, bah au pire. On verra bien, hein. Ça peut pas être catastrophique non plus. Non. En fait, je me dis, mes parents, ils ont bien fait. Alors, je sais pas du tout si ça se malaxe, hein. Là, franchement. Et derrière, je crois que derrière, c'est la grosse galère. J'ai pas su le faire. Hein. Mais en même temps, je sais pas comment elles font. Et les nanas qui se font les cheveux eux-mêmes, quoi. C'est juste pas possible. J'en ai foutu partout. Et puis, de toute façon, c'est ici que je vais éclaircir. Le reste, on verra bien. C'est vraiment ici. Est-ce que ça sert de masser? S'il y a des coiffeuses parmi vous, dites-le moi. Bon, eh bien, écoutez, c'est terminé. Bon, le cadrage et tout ça, je sais pas trop. Filmer dans la salle de bain, c'est pas pratique. Donc voilà, c'était juste pour qu'on fasse ça ensemble et que vous voyez le avant et après. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte. En même temps, je crois qu'avec ça, Sunlight 18, je risque pas grand chose. Ah, je vois sans ammoniac. Donc c'est pour ça que ça sent pas les produits de coloration là que j'aime pas du tout. Ils vont peut-être tirer un peu plus vers le roux, mais bon... c'est pas très grave. Je vais mettre le minuteur là, je vais laisser une trentaine de minutes, voilà, pour dire de pas faire trop de catastrophes. Et bien écoutez, on se retrouve après la douche. Je vais laisser poser, je vais remettre mon gilet, j'ai froid, j'ai hâte d'aller dans une douche bien chaude, vous vous doutez bien. Et puis on fera notre petit unboxing du jour. Allez, ciao. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi. Oui, on s'est quitté hier. Je vous avais dit que je vous reprendrais et puis non, je ne vous ai pas repris parce que tout simplement la luminosité était pourrie. Vous montrait une pseudo couleur alors que bah, de toute façon on n'y voit rien. C'était complètement ridicule. Je voulais vous faire un unboxing aussi, mais bon, je me suis dit, bah, voilà, je vais les reprendre demain comme ça. Ils me verront aussi mercredi. Donc, concernant les cheveux, écoutez, rien de folichon, ça n'a pas fait grand chose, mais ça, je m'en doutais. En faisant juste un sunlight, on ne pouvait pas avoir un truc de fou, et en même temps, tant mieux, parce que c'est, voilà, je voulais pas que ce soit flagrant. Ça a quand même éclairci un petit peu la racine, je ne sais pas si vous verrez bien. Vous allez rien voir, mais moi je le vois, et mon mari l'a vu. Donc c'est franchement, parce que alors lui, pour voir quelque chose, c'est le néant total. Et hier soir, il m'a dit, mais t'as fait un truc à tes cheveux? Donc c'est que ça se voit un petit peu, donc ça va me faire patienter les 4 semaines qui restent. Voilà pour ça, qu'est-ce que je voulais vous dire ce matin? Je vous filme cette vidéo, mais sincèrement j'ai une très grosse migraine, donc si je dis des bêtises, ben, vous m'en excuserez. Je suis en train de faire le jeûne intermittent, donc je vous en ai déjà parlé, je le faisais une ou deux fois par semaine. Et là j'ai lu un article, si on le fait toute la semaine... donc c'est-à-dire si on le fait du lundi au dimanche, une semaine complète de jeûne intermittent,
eh bien, on fait un reset complet de son organisme. Donc, je me suis dit, bon, Sophie, allez, cette semaine, tu vas te motiver et tu vas le faire. Donc, moi, comment je procède pour mon jeûne intermittent? Je fais le 16-8e, je ne sais pas si on dit comme ça. C'est-à-dire que j'ai 16 heures de jeûne et je peux manger pendant 8 heures. Et donc, moi, la solution la plus pratique que j'ai trouvée, donc j'arrête de manger à partir de 20 heures le soir et je reprends le repas à partir de midi. Et ça, sincèrement, pour moi, c'est plus facile. Donc, c'est vrai que ça me donne la patate le matin. Hier, je suis allée au sport, j'étais en pleine forme. Ça m'a pas, voilà, ça m'a pas dérangée. Aujourd'hui, c'est un peu plus dur. Donc, c'est le troisième jour et je vous avoue que, voilà, aujourd'hui, c'est plus dur. J'avais le ventre qui gargouillait ce matin. Et une migraine aussi qui arrive, je le sens. Donc là, je me suis fait un thé. Donc, je boirai peut-être entre deux, je sais pas. Mais voilà, pour essayer de m'hydrater un maximum. Et puis on verra, je vais attendre patiemment midi, sachant que j'ai une copine qui vient déjeuner, donc ça va être plutôt chouette. Eh bien écoutez, on va passer tout de suite au unboxing. Et donc je vous disais, j'ai fait une petite commande chez Sephora. Tadam ! J'ai déjà ouvert le carton pour vous épargner ça. Ma commande portait essentiellement pour mon gua sha. Que je vous avais dit que je voulais absolument me commander le gua sha. Donc, du coup, j'ai craqué. Donc, j'ai vu ce mini kit et je me suis dit, tiens, de toute façon, tu aimes bien herbivore, donc profite. Ce kit contient le gua sha ou la gua sha, je ne sais pas comment on dit, l'huile émeralde que je ne connais pas du tout, ça doit être une nouvelle huile. Le prisme en pot, comme ça je le connais pas, je sais qu'il existe en huile mais le pot je... et la brume rose hibiscus que j'aime beaucoup déjà. Donc voilà, le coffret se présente comme ça, hop, avec une petite carte explicative. Je vais regarder ce que c'est tout de suite. Donc avec deux petites cartes, alors qu'est-ce qu'ils disent? Un petit dépliant, hein, je découvre avec vous. Ah, c'est l'utilisation du gua sha. Ah, c'est cool. Bon, c'est cool quand on sait parler anglais. Hein. Moi, ça va être un peu plus compliqué. Vous voyez? Hop. Voilà. Ils disent de l'utiliser du centre du visage vers l'extérieur. Et c'est normal puisque si ça fait un genre de drainage lymphatique, il faut toujours drainer la lymphe vers l'extérieur. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, le coffret est très joli. On va découvrir le gua sha tout de suite. Tant qu'à faire. Dans sa petite boîte rose. Ah, il est dans un petit pochon tout mignon en suédine. Écrit herbivore en doré. C'est très joli. Alors, si vous voulez faire un cadeau, sincèrement, il n'était pas très cher le coffret. Il coûtait 58$. Donc, je ne sais pas s'il existe en France, mais en tout cas, ici, c'est pas très cher. Et voici la bête. C'est super beau. Et donc, en fait, ça se travaille comme ça. Et je reste persuadée que c'est beaucoup plus efficace que la roulette. Écoutez, c'est un très bel objet. Je suis très contente. Et dans le petit pochon, c'est très chouette. Franchement, pour un cadeau, c'est vraiment chouette. Donc ensuite, la brume classique. Hein, c'est hyper connu chez Herbivore. Elle est très très bien. Je vais l'essayer, tiens. Je me souviens plus de l'odeur. Oui, elle sent vraiment la rose. Hein, pour le coup... Donc c'est la rose hibiscus et c'est leur brume hydratante très connue chez Herbivore. Ensuite, bon, je me suis munie de mon téléphone pour regarder avec vous l'huile émeralde. Alors je ne sais pas, dites-moi si vous en avez entendu parler. Moi j'en ai jamais entendu parler. Donc, huile pour le visage aux graines de chanvre émeraude. Ce mélange apaisant et très hydratant pour la peau riche en oméga et soulage les irritations et le stress environnemental. Protège le stress environnemental. Oui, ok, on a compris. Y compris les champignons shiitake et la racine d'ashwagandha. Ok, écoutez, pour moi c'est une huile hydratante, riche en oméga, d'après ce que j'ai compris.
On verra bien. Et le prisme. Hop. Moi, je pensais que c'était un masque. Ouh là là, c'est un gel comme ça, très liquide. Qui sent rien du tout. C'est vraiment une gelée. Je sais pas si vous allez pouvoir bien voir. Vous voyez? Hop. Bon, j'ai mis les doigts, j'ai les mains propres. Hein, je vous rassure. Je vous... Voilà, je vous entends déjà. Waouh, il fout les doigts dans son truc. Ça ne sent absolument rien. Facial Prisme, 20% exfoliant glow. Une puissante concentration de 20% d'HA à base de fruits. Exfolie en profondeur, tout en douceur, la couche supérieure de la peau. Pour une augmentation instantanée de la luminosité et de la clarté. Appliquez une fine couche sur la peau propre, laissez agir 10 à 20 minutes. Enlever à l'eau tiède. Donc effectivement, c'est un genre d'exfoliant chimique, pas mécanique. Si je peux dire ça comme ça, je sais pas, dites-moi, je peux dire ça comme ça? Oui, parce que mécanique, c'est avec les grains, et pour moi, voilà, chimique, chimique avec des gros guillemets, vous m'aurez compris. Donc voilà, ce petit coffret, écoutez, moi je persiste à dire que pour un cadeau, ça peut être très chouette. Et je suis très contente d'avoir trouvé ce petit kit chez Sephora. Du coup, moi quand je commence un panier, ben, je ne peux pas m'arrêter. Et donc, qu'est-ce que j'ai... Oui, je me souviens maintenant ce que j'ai commandé. J'ai repris un Wet Lip Oil Glow de chez Kosas. Je suis tombée en amour de mon dernier, là, le rouge assez pétant. Cette fois-ci, j'ai pris le Jelly Fish, qui est un nude. Donc je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, ces lip glow, ils sont canon. Donc vous voyez dans le packaging, c'est voilà, c'est un beige nude. Et sur la main, hop, on voit pas très très bien, mais je pense que ça va faire un peu transparent. Voilà. Mais ils sont très hydratants, ils tiennent très longtemps, j'aime beaucoup. Donc celui-là, c'est un nude naturel, donc ça ne va pas vraiment venir colorer les lèvres. Je le testerai demain, je vous dirai. Ensuite, bon, les amoureuses du naturel, bah, vous n'allez pas aimer. Hein. Du bio, du naturel, du tout ce que vous voulez, vous n'allez pas aimer. Mais quand j'ai vu cette palette de bleu, je me suis dit, non Sophie, il faut que tu la testes. Et elle a l'air trop bien. C'est la Desert Bloom de chez Bare Minerals. Qui se présente comme ceci. Un très joli packaging qui fait très automnal. Hein. Même si on va rentrer en hiver, c'est pas grave. Et je trouvais que les blushs étaient juste canons. Voilà, alors Bare Minerals, je connais absolument pas. Je crois que j'ai jamais testé leurs produits. Donc en termes de pigmentation, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Mais on va regarder ça tout de suite. Donc on a un petit pêche qui est très très beau, qui s'appelle le Zat Peach 2. Qui est ici. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. On a un petit rose qui s'appelle le Call Me Blush. Et on a un rouge bordeaux qui s'appelle le You Had Me at Merlot, qui a l'air très très beau aussi. Écoutez, la pigmentation a pas l'air mauvaise, hein, sincèrement. Ensuite, comme j'ai un statut rouge chez Sephora, c'est pas alerte rouge, elle dépense trop, mais il y a plusieurs statuts qui ne sont pas les mêmes qu'en France. Quand vous êtes au statut rouge, après avoir dépensé une certaine somme d'argent chez eux, n'est-ce pas? Donc vous avez le statut rouge et vous faites partie d'une communauté où vous avez droit à des offres spéciales, des cadeaux aussi, voilà. Et donc la semaine où j'ai commandé, il y avait une petite pochette d'échantillons, comme ça, et dedans il y avait un produit que j'ai utilisé très 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 longtemps, que j'ai adoré, et que je ne retrouve plus en magasin. Et là, dans la pochette d'échantillons, il y était. Alors, je vous montre tout de suite de quoi je parle. Parce qu'en fait, le reste des échantillons, ça ne m'intéressait pas. Mais pour ce produit, j'étais très contente. C'est le Luna de Sunday Riley.
Donc c'est un produit que j'ai utilisé très longtemps. C'est l'huile de nuit au rétinol. Et ce truc, ça a été vraiment la seule chose qui sauvait ma peau des jours où elle était catastrophique, quoi. Les jours où ma peau, elle se sentait vraiment pas bien, je mettais ça le soir et le lendemain, j'avais une super belle peau. Donc, cette huile m'a manqué. Franchement, je l'aimais beaucoup. Et me dire de la retrouver en tout petit, parce que, autant vous dire que c'est tout petit kiki, hein. Bah voilà, j'étais très contente. Je me suis dit, tiens, je retesterai une fois où tout part en cacahuète. Je suis très contente de la retrouver. Donc, a priori, elle est en reformulation. D'après ce que m'a dit une personne chez Sephora, elle va revenir en stock, mais je l'aimais beaucoup parce qu'elle était très très efficace. Donc en ce moment, vous avez vu dans ma routine, les choses me conviennent parfaitement bien, mais je me dis bon, au cas où, on ne sait jamais. Et donc dans cette petite pochette, il y avait un gommage pour le corps de chez Moroccan Oil. Il y avait un soin coiffant de chez Living Proof. Bon, c'est des marques que je n'utilise pas du tout. Il y avait une crème hydratante de chez Purity. Et après, voilà, des petits échantillons. Dr. Dennis Gross. Je ne connais pas. Ah, c'est un peeling. Ok, bon, Drunk Elephant, je connais, moi je suis pas une adepte, j'aime pas du tout. Et la neige, le Lip Sleeping Mask, c'est mon chouchou de tous les temps. Je peux pas me passer de ce baume à lèvres. Donc là, il est en tout petit, hein, mais moi je l'ai en gros pot, je l'adore. Je l'adore, je le mets tous les soirs, je ne peux pas m'en passer. Et pourtant, moi je suis une feignasse en ce qui concerne crème pour les mains, baume pour les lèvres. C'est vraiment le truc, ça me saoule, j'oublie tout le temps d'en mettre. Quand je vois des routines où les nanas, le soir en se couchant, elles se mettent la crème sur les mains, leur baume sur les lèvres. Moi je trouve ça exceptionnel, je trouve ça cool, mais moi j'oublie. Voilà, j'oublie, ça me saoule. Mais alors ça, depuis que j'ai découvert ça, mon baume pour les lèvres, je peux vous dire, il est sur ma table de nuit et j'oublie jamais de m'en mettre le soir. J'adore ce truc. Il est vraiment, vraiment, vraiment formidable. C'est hyper confortable. Ça glisse sur les lèvres. Enfin, franchement, c'est un bonheur. C'est un bonheur. La dernière chose que j'ai mis dans mon panier avant de cliquer sur valider, c'est voilà, c'est mes blushs chouchou. Hein. J'ai craqué, j'ai pris le troisième. Bon, il n'y en a que trois, heureusement, hein, vous allez me dire, parce que j'ai pris le Magic Hour, qui paraissait très prometteur. Bon, Tower 28, moi, je suis tombée amoureuse. Il y a des blushs, et heureusement, hein, en maquillage, parce que... Ah non, il y a des glosses que j'ai pas encore testées. Donc, voilà. C'est toujours dans les mêmes tonalités, hein, mais je sais pas, j'ai craqué. La fille a craqué. Alors, je vais relever mes manches parce que mon pull va morfler. Et je vais essayer de vous le swatcher sur l'autre main. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, c'est mon troisième. Il est moins pétard que le dernier. Il est un peu plus discret, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Il est très, très joli. Je les adore, c'est hyper confortable. Vous appliquez ça sur la peau, c'est hyper facile à appliquer, c'est hyper pigmenté, ça sèche en quelques secondes, ça ne fait pas d'effet collant du tout sur la peau et ça reste toute la journée. Ça reste en place. C'est figé, c'est collé. Voilà, il n'y a plus rien qui bouge et en même temps, c'est hyper hydratant. Enfin, ce truc est vraiment bien. J'adore. Je peux rien rajouter de plus, j'adore. Donc ils en ont trois, j'ai acheté les trois et je les aime. J'espère qu'ils vont s'arrêter là, s'il vous plaît. Stop, n'en faites plus. Donc voilà pour Sephora. On va passer vite fait au petit unboxing de mon petit supermarché métro. Je vous avais dit qu'ils avaient fait une parapharmacie de dingue avec des produits naturels, des produits bio, enfin plein de petites marques de niche comme ça, très sympa. Donc j'ai trouvé ça très chouette, j'y ai passé beaucoup beaucoup de temps et puis évidemment j'ai craqué sur quelques petites bricoles, j'avais envie de, voilà, de vous en parler et de vous le partager tout simplement. Je me suis acheté du dentifrice charbon actif. Hop,
de la marque Nelson Natural. Voilà, alors je sais pas du tout comment ça s'utilise. Dites-moi si vous en avez déjà utilisé. Donc je sais que ça blanchit les dents, mais j'étais très curieuse de découvrir ça. Hop, oh, c'est fort. Bon, donc je vous disais, oui, j'ai dû, et en ouvrant le capuchon, ça a fait, oui, j'en avais partout, donc j'en ai profité pour aller me laver les mains. Je vous disais, j'étais très curieuse de découvrir ce dentifrice au charbon. Ça sent pas très bon, c'est assez liquide, donc je fais gaffe là. On verra, je vous en dirai des nouvelles, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà, j'étais très contente de découvrir ça. Ensuite, quand j'ai vu ça, j'ai craqué. Non mais Sophie, vous allez me dire, non mais elle débloque complètement quoi. Elle nous a pété une durite quoi. Regardez, c'est tout mimi, c'est tout kiki. Ça s'appelle le petit bocal de fil dentaire en pure soie biodégradable. Bon, vous connaissez ma passion pour le fil dentaire, donc... forcément, j'ai pas pu résister. Alors la marque c'est Flost Post. Regardez-moi ça, mais c'est trop mignon. C'est tout petit. Hop. Bon, alors est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça fait pas mal aux dents? J'ai vu qu'il y avait les recharges aussi, donc on peut acheter les recharges. J'ai hâte de tester ça, mais je trouvais ça tellement mignon dans la salle de bain. Donc voilà, du fil dentaire. Je vous parlais dans ma dernière vidéo routine soin des déodorants et je vous disais que moi ce qui me manquait c'était voilà, sentir bon le frais, ce geste de spray. Et j'ai trouvé le... Ils appellent ça désodorisant. Ça fait peur. Désodorisant sec en vaporisateur. Bon, non, déodorant concombre frais de chez Jason. Donc Jason, moi j'ai déjà testé leur déodorant stick, je ne suis pas une adepte, je n'ai pas adhéré, mais je me suis dit tiens on va tester en vapo et on verra ce que ça donne. Donc voilà, à tester, je vous en dirai des nouvelles. Je peux pas pour l'instant... L'odeur est pas dingue, mais il y avait que au concombre. Donc. Je peux retrouver mes sensations d'avant, ça peut être pas mal. Et j'étais très contente de pouvoir découvrir une petite marque montréalaise, voilà, une marque green, naturelle, je ne sais pas si elle est certifiée bio, mais en tout cas les produits sont de super composition. C'est une petite marque qui s'appelle Pikine. Donc moi quand je suis arrivée, j'ai essayé de trouver des petites marques canadiennes, montréalaises, voilà, des petites marques d'ici pour découvrir et puis pour vous faire découvrir. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans de ça, j'ai découvert Bikine, mais je ne savais pas qu'ils faisaient des vernis. Et donc j'ai trouvé ces 2 vernis qui sont très jolis, un noir et un aubergine, je dirais. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc noir, j'en avais plus, et donc voilà, c'est une valeur sûre, ils sont 10 prix. Moi, en toute transparence, j'ai encore des vernis conventionnels, hein, je les ai pas tous mis à la poubelle, donc j'en mets encore. Sachant qu'en base, je mets Cure Bazar, donc voilà, je me dis mon ongle est quand même protégé un petit peu, mais mes vernis, je les ai gardés, je les mets pas à la poubelle. Mais j'avais plus de vernis noir, donc j'en ai profité, et du coup, pour prendre un vernis dont la compo est un peu mieux... Donc j'étais très contente de pouvoir trouver Bikine dans mon supermarché. Et voilà, je me suis dit un petit aubergine comme ça. C'est toujours très joli, c'est très classe. Donc je pense que c'est celui que je vais tester en premier. Donc très contente de découvrir ça dans mon supermarché du coin, j'ai envie de dire. Ça c'est plutôt cool. Et ensuite, il y avait tout un rayon d'huile végétale, d'huile essentielle. Tout un rayon. Et il y avait une petite marque... La Tukiste, avec plusieurs petits flacons de synergie d'huile essentielle 100% naturelle, et il y en avait une qui s'appelait Gratitude. Alors moi je voue un culte à ce mot Gratitude, j'essaye de le dire le plus souvent possible, de me le dire le plus souvent possible. Si je pouvais me le faire tatouer, je me le ferais tatouer. Parce que pour moi, voilà, ça représente tout, la gratitude. Et voilà, j'essaye
dans ma spiritualité. Voilà, j'essaye de le mettre partout et d'être, voilà, d'être heureuse avec ce que j'ai. Et à chaque moment de la vie, dire merci, merci, merci. Et ça, c'est de la gratitude. Donc, quand j'ai vu cette huile, je me suis dit, tiens, so-so, quand tu oublies d'être gentille, bah, peut-être que ça, ça va t'aider. Voilà, donc ils disent, notre synergie d'huile essentielle gratitude vous invite à prendre une pause et contempler le moment présent afin de recueillir le parfait sentiment de reconnaissance tant espéré. Achat totalement inutile, vous allez me dire, parce que t'as pas besoin d'une huile essentielle pour te rappeler que la vie est chouette finalement. Mais quand je l'ai senti, eh ben, j'ai eu le coup de cœur. Voilà pourquoi je l'ai prise. Parce que je me suis dit, je vais mettre ça, voilà, sur le creux ici. Et puis quand je sentirai ça, ben voilà, ce sera mon moment de gratitude et de plénitude. Alors, rien de compliqué dans la composition, n'est-ce pas? Huile essentielle naturelle de vanille, d'orange et de menthe verte. Mais sincèrement, ça sent super bon. Et donc, si ça peut m'apaiser et puis voilà, si ça peut être mon moment de méditation, eh bien ça, j'achète. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est fini pour ce petit unboxing. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao !